Le citoyen qui s'imagine que la justice va lui rendre ses droits, eh bien, se trompe profondément. Pour 90% des personnes, se retrouver en justice, c'est le début du cauchemar. C'est le moment où les choses vont s'aggraver. Il n'y a pas aujourd'hui de solution en justice parce que notre pays, la France, n'est pas une république, n'est pas un état de droit, n'est pas une démocratie, c'est au fond une sorte de goulag à ciel ouvert. Oui, je pense que beaucoup de personnes estiment qu'il faut, dès à présent, compte tenu de ces fraudes, compte tenu de ces falsifications, compte tenu de ces trafics au sein de ces pseudo-conseils de discipline, qu'il faut d'abord supprimer les bâtonniers. Et puis j'entends de plus en plus de personnes dire « il faut rétablir le bagne » et puis prévoir une peine de 20, 30, 40 ans de bagne pour ces avocats qui croient pouvoir utiliser des pouvoirs au sein des barreaux, au sein des conseils de l'ordre, en qualité de bâtonnier pour monter de fausses procédures disciplinaires visant à chasser les gens qui font, les avocats qui font correctement, normalement et proprement leur travail. Voilà, on ne peut pas dire plus, il faut aujourd'hui une réforme importante qui passe par la suppression des barreaux et la suppression des bâtonniers.